qui a posé le plus de problèmes par contre, c'est que le bateau avait 25 ans et surtout était militaire. C'est-à-dire que les normes sur un navire qui transporte des passagers ne sont pas du tout les mêmes que les normes sur un navire qui est fait pour être à usage militaire. C'était un bateau en bon état, avec son âge 25 ans certes, mais fonctionnellement parlant, le bateau était parfait. On est parti de qu'est-ce qu'il faut garder sur le bateau et qu'est-ce qu'il faut changer pour en faire un yacht de luxe. Le bateau, pourquoi il a plu à l'armateur? Par son côté solide, puissant et très sûr. Donc on a gardé la coque principalement et les moteurs, l'élément de puissance. Tout le reste a été modifié. Par contre, l'armateur tenait absolument à ce que l'âme du bateau reste en l'état et donc la silhouette générale devait être modifiée au minimum. C'est que le pont, la forme générale du bateau, a été préservée. Le bouge et la tonture sont exactement les mêmes qu'à l'origine, et les cabines, au lieu d'empiéter sur ce qu'était le bateau, se sont adaptées au reste du navire. Donc le navire est arrivé à La Rochelle en juillet 2011. Le chantier dans son intégralité a duré 2 ans et a mobilisé 47 entreprises, locales pour la plupart, car le souhait de l'armateur était d'utiliser au mieux le savoir-faire français. Donc 90 à 95% des entreprises qui ont été utilisées pour effectuer ce refit étaient des entreprises françaises, sauf certains savoir-faire extrêmement particuliers qui ont dû être importés de l'étranger. Les vitrages, par exemple, viennent d'Allemagne, parce que l'armateur désirait avoir des vitrages qui puissent s'occulter à la simple pression d'un bouton. Ce qui en fait également un yacht unique, c'est ses capacités propulsives. Le navire va à 18 nœuds, quel que soit l'état de la mer, ou presque. Contrairement à la plupart des yachts de luxe, où forcément tout ce confort est fait au détriment des qualités nautiques. Donc on a du coup un produit final qui est tout terrain, entre guillemets, puissant, et qui garde malgré tout son esprit original entre modernité et ancienne marine.